Alors, on était 7 inscrits, il n'y en a que 5 qui sont là, les deux autres sont absents. Dommage, encore une fois, voilà, on se retrouve à 5 alors qu'on était 7 inscrits, je comprends pas le délire en fait, c'est bizarre. Bon, tant pis pour eux après. Bon, le premier, allez. Allez, le premier, allez! On se dépêche! Ça peut être assez serré, honnêtement. Vous vous rendez compte que je suis numéro 1, quoi. Ça veut dire qu'ils sont tous nuls, en fait. Putain, le premier, allez! C'est incroyable de prendre son temps comme ça. Ah bah voilà, enfin! Pas trop tôt, bordel de merde. Je pars à droite, je préfère. Il fait me percuter l'autre derrière. Hold your brake, bro. You're sliding across the track, you know I'm coming. Hold your brake. Allez, le podium là. Il est bien parti le podium. 7 secondes d'avance. Je fais la même connerie que lui, quoi. Ouais, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin, en vrai. Il prend le truc, dès qu'il le prend, je le prends. Non! Putain! C'est pas possible, je suis maudit quoi. Non! Tout se casse la gueule. Putain, quelques virages! Allez là! Slowdown! Ah, cette ligne, elle me saoule aussi! Je suis maudit, sérieusement. Oh là là, je vais encore finir P4. Bon allez, faut cravacher, faut avoir 10 secondes d'avance là. Putain, je l'ai à peine coupé la ligne sans déconner. Mais ils peuvent pas se battre plus là derrière. Je m'arrangerai. Voilà, ça y est. S'ils ont fini dans le mur. Ça c'est cool, c'est cool, c'est cool. L'autre est à 11 secondes, il a pas pris son truc encore. Ah, c'est pas gagné hein, le podium. Enfin, si, le podium ça va, mais. J'aimerais quand même finir deuxième, quoi. Quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Une épave là. Allez, j'essaie de cravacher. Travailler trajectoire. Bon, le premier est trop rapide, hein, de toute façon. Oh. Il y a un saut. Oh putain! Oh putain! Il est au stand! Oh putain! Je vais gagner! Allez! Magnifique! Qu'est-ce qui est arrivé? Bon bah... C'est magnifique ça! A mon avis, le volant il s'est déconnecté ou un truc comme ça. Bon allez, on va rouler tranquillement. J'ai 20 secondes d'avance. Je suis dans la peau de Léo Braun là. C'est pas le même niveau de session non plus, on va pas se mentir. C'est nimp cette course. Ça va, ça va. Je suis tranquille là. Franchement, 20 secondes d'avance. Même si c'est que j'ai 10 secondes de péna, c'est tranquille quoi. Et ça crache encore derrière. Mais je vais finir avec un tour d'avance en fait. Sur le deuxième quoi. Daniel qui est toujours pas reparti. Je pense que il a peut-être eu un mec qui est ouvert chez lui, qui a téléphoné. Vous savez, une connerie comme ça IRL hein, qui peut vous impacter sur la course dans le jeu quoi. Vous êtes obligé de vous arrêter, son gosse qui a fait une connerie ou un truc comme ça. Ça peut être un truc tout bête. Ça arrive rarement mais ça peut arriver. Comme quand moi l'autre jour en Mazda là bah, j'ai dû j'étais dehors, il s'est mis à pleuvoir, j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté. C'est le même genre de truc quoi. Le truc tout bête. Sauf que là bah, il perd la victoire. Et moi je vais la récupérer. Ça c'est cool. Ouais, le dernier tour je le fais vraiment tranquille. Hein. Je me prends pas la tête. Je prends pas de risque. Putain, enfin une nouvelle victoire dans cette catégorie. Pff, ça fait du bien quand même. Je suis tombé tellement avec des porcs, Léo Braun et compagnie là. Je pouvais pas gagner, qu'est-ce que tu veux faire? Ils nous mettent 3 secondes au tour. Hein. Pas qu'à moi d'ailleurs. Allez, yes! Daniel qui? Daniel qui quitte évidemment, forcément. Ouais. Du coup, l'écart va se réduire à 11 secondes normalement. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Ah bah. Ah non, il était pénalisé. 21 secondes 4. J'ai l'impression que ceux de derrière ils ont eu. Attends. Moi je sais pas, c'est bizarre. Si, si, il a le drapeau noir. Il a dû être pénalisé aussi lui. Ah bah non, 11 secondes 4. Moi je sais pas. Bon bref, j'ai gagné, c'est tout ce qui importe. Et ça c'est cool. Ah mais non! Regardez! Le con! Et écoutez. Il a pété le moteur! Ah là là, l'erreur bête! Daniel, nul! Oh bah là, je mérite la victoire. Hein. Le mec, il pète son moteur, non mais vous y croyez? S'il aurait pu continuer en roue libre, on remarque qu'il aurait peut-être gagné. Mais... Il aurait peut-être fini la course, ça. Ah ouais, non, Daniel, quelle erreur! C'est même pas un truc IRL, là, c'est un truc dans le jeu, en fait. C'est de sa faute. 44-2, bon. J'étais le deuxième plus rapide, après, ça va. Bon bah voilà, ça fait plaisir cette victoire, même si la session n'était pas très relevée, il est vrai.
Après, il avait qu'à pas casser son moteur. Hein. C'est de sa faute aussi. Hein. Ah ben, j'étais dans la deuxième session. Ah, il y avait trois sessions. Ouh là là, mais incroyable. Voilà, ouais, top split, voilà, les mecs. Il n'y avait pas Léo, mais bon. Voilà. En voilà une belle course, ma foi. Enfin, quoi. 40e victoire en carrière. Incroyable, on partait donc quatrième de cette session, vu qu'on n'était que 5. Il y avait 7 inscrits, mais on n'était que 5, c'est dommage. Bon, allez, à plus. La victoire pour la 350e course. C'est beau, c'est beau.